Bournet, je suis le président donc des Ailes Bleues Verniolaises, le club d'aéromodélisme qui existe depuis 1984. Nous avons donc fêté cette année les 30 ans du club. Nous comptons dans notre association 57 adhérents. En parallèle, nous faisons aussi des passeports scolaires avec le collège Pierre Bayle et le collège du Girbet à Saverdun. Nous en avons 140 ou 145 élèves en passeport scolaire. Alors chaque année, on organise un show d'aéromodélisme pour faire connaître un peu notre passion. Hein. Nous invitons tous les clubs des différentes régions du coin. Il y a des gens des Pyrénées-Orientales, des gens de l'Aude, des gens de la Haute-Garonne qui viennent nous voir. Nous les invitons, nous leur offrons le repas et en contrepartie, ils viennent montrer tout ce qui se fait dans l'aéromodélisme, les pulso-réacteurs, tout ce qui est planeur, hélicoptère et aussi réacteur. Pour adhérer au club, donc, il faut prendre cette fameuse licence FFAM hein, qui coûte la première année, parce qu'il y a une cotisation club, 100 €. Et puis les autres années, pour les gens qui veulent participer un petit peu aux travaux du club, à la tonte, à l'entretien du terrain, des cabanes, tout ça, des abris, tout ça, c'est 55 €. Sachant que nous, on reverse quand même 48 € à la fédération. Malheureusement, on n'a pas tellement de jeunes. À part les passeports scolaires qu'on fait, et avec lesquels on organise une journée sur le terrain, on s'occupe d'eux au collège, dans les collèges. Après, c'est difficile de les garder. Quand ils savent, les jeunes, ils s'en vont. Comptez un budget de départ de 500 € en gros, pour avoir un avion, une télécommande et tout le matériel qui va avec. Parce que pour allumer l'avion, il faut un allumeur de bougie, il faut un démarreur, en fait, il faut plusieurs éléments qui rentrent en compte. Donc, le budget, c'est 500 € à peu près. Hein. Sachant qu'un avion, c'est fragile. La moindre erreur, c'est fatal. C'est fatal. Donc ça peut durer une seconde quand on a fait l'avion. D'accord.